Salut. Salut à tous. Salut. Petite vidéo sans prétention. Aujourd'hui, on part sur un 36 km en off. Pourquoi les 36 ans de Thomas de Monceau. Voilà ce que j'allais dire. Pourquoi 36? J'ai eu la bonne idée de dire ah, 36 ans, 36 km. Sauf que ça fait tellement longtemps avec ce confinement à la con et tout ça que j'ai pas fait cette distance que. Pff, oui, verra. Parce que tu dis idée à la con, mais en fait, c'est un truc qu'on fait tous les ans. Ouais. Pour, depuis nos 33 ans. Bon, ça fait 2 ou 3 ans qu'on fait ça. On avait instauré ça avec un ami en fait. Et puis bah, l'année dernière, il y a eu Covid. Et puis bah, cette année, il arrive un moment, il faut bien bouger son cul. Quoi. Voilà. Et puis bah, ça va aussi servir à tester le super cadeau d'anniversaire, la petite GoPro 9. Donc normalement, vous allez voir une petite différence. J'essaye de filmer en 4K, j'essaye de monter en 4K. Et normalement, ça devrait pas trop bouger. Si je fais ça, normalement, ça bouge pas trop. Voilà. À tout de suite, les amis. Bon, on est parti. Et je vous ai pas dit, je suis accompagné. Oui, vous l'avez vu. Je suis accompagné de Sophie et de Elisa is running. Je sais pas si on la voit. Bon les copains, on en est où? Bientôt 4ème kilomètre. Bon, on est sur un rythme très cool. Là on est en 6 du kill. Vraiment ça va être ça me fait penser au Ready to Run. Ça va être en mode rando course. Donc s'il y a besoin de marcher ou autre, l'important c'est de faire un peu de volume. Là on va éviter de mourir les copains. On va traverser la route au 7ème kilomètre. Je pense qu'il y a moyen. Ouf. Voilà un chemin très, très familial. Vraiment très sympa. Allez, plus de 29 bornes. Bon les copains, 10ème kilomètre, encore 26. Bon, je teste également, comme je le disais tout à l'heure, la GoPro 9. Donc j'espère que les images sont plutôt sympas. Et je crois que le stabilisateur va être infiniment mieux que la GoPro 7 que j'utilisais auparavant. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez une différence, si ça bouge ou si c'est visionnable. Les copains, 15ème kilomètre, on a une allure de 6 km/h, donc ça va. Les jambes commencent à tirer un petit peu. Il reste un semi à faire. Putain. Ah oui, ce que je ne vous l'ai pas dit, c'est en début de vidéo. Mais en fait, je pars sur ce 36 km avec ma bite et mon couteau, sans entraînement. À part des petits runs de 5-6 km un peu sur tapis, un peu à l'extérieur quand j'ai le temps avec le couvre-feu. Donc sans entraînement, on va voir ce que ça va donner. Je pense que d'ici quelques kilomètres, vous allez voir ma tête déconfite. Oh les copains, 18ème kilomètre, si le compte est bon, on a fait la moitié. Sauf que quand je regarde la jauge d'énergie qui me reste, il me reste pas la moitié, il me reste un peu moins quand même. Tu fais ton chichi comme ça. Comme d'habitude, je fais mon chichi. Ouais, c'est ça de partir avec sa bite et son couteau. Bon allez. Hey. Alors moi je suis grave comme toi, je suis KO, j'en peux plus.
Et ben non, bim. On ne voit absolument rien. Bon les copains, 23e kilomètre en 2h26. Bah, comme prévu, hein, j'en chie. J'en chie. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu t'entraînes pas. Tu pars sur une petite distance sympathique comme ça. Bah, forcément, t'en chies. Donc là, histoire de pouvoir tenir, ça fait depuis le semi, donc depuis le 21e, on part sur 2 km course, 1 km marche. J'espère pouvoir tenir jusqu'au 36e et pas failler comme une vieille merde. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, t'es en train de marcher. Hein. Je me tourne les pouces. Alors, on a appliqué la méthode. Serrano. Entre, non, Serrano, c'est jambon. Il y a les box, c'est la méthode Serrano. Donc, 2 km course. 1 km marche. Et voilà, et donc là je suis sur mon kilomètre marche. J'espère pouvoir tenir encore jusqu'au 36e. Parce que je suis en train d'en chier. J'en chie, putain. Non, il extrapole vraiment. En fait, il a juste un peu les jambes tétanisées, ce qui est absolument normal. Ça fait un an qu'il a pas couru autant. Mais là, il est en train de se démoraliser alors qu'il en a vraiment encore sous la semelle et qu'il peut finir, surtout avec Serrano, il peut vraiment finir tranquillement. J'en doute pas, moi. Il faut qu'il ait confiance en lui, le gros. On va dire ça, le gros, merci. 26 km. Si mes calculs sont bons, normalement ils le sont, il reste 10 bornes. J'ai les jambes déglinguées. Donc je peux déjà commencer à balancer une conclusion du genre si tu branles rien depuis un an, te lancer sur un 36 km, c'est chaud. Donc sans entraînement, moyen quand même. Pour la fin, de faire une petite sieste. Tiens, on va s'arrêter là en urgence. Bon, en réel, on est à 31 km 170. Il a jamais eu ça, il a des crampes et nous on se fout de sa gueule. Depuis tout à l'heure avec Elisa, on fait que de se moquer de lui. Il en peut plus, le pauvre. Bon, en même temps, c'est le tarif, hein. On n'a pas bougé nos fesses depuis. Ça fait un an qu'il n'a pas fait autant de kilomètres. Et moi, c'est très simple vu que je suis en vélo. Du coup, j'ai pas beaucoup d'efforts à fournir. Et là. À 5 km et demi de l'arrivée. Non. À sa couverture de survie, en fait j'ai l'image, alors voilà. Même pas là. Marathon de Bordeaux, c'est le premier marathon de Thomas, on a fini les 12 km, les 12 derniers kilomètres en marchant. Il avait sa couverture de survie, j'étais obligée de le tirer comme ça, il était en PLS, c'était vraiment drôle. Enfin, sur le moment, moi j'ai pari, lui non plus. Mais là du coup, voilà, il va se ressaisir un peu là, hein. On va y retourner. Hein. Allez go hein. Frais comme un gardon. Allez, go! Quelle idée à la con, putain! Quelle idée à la con! Ah, putain! 36 bornes! Et je suis défoncé! Bon, les 36 km, oula, un peu Bozo le clown la coupe là. Bon, les 36 km, c'est fini. Je vais pas vous mentir, passer de rien foutre à 36 bornes, ça marche pas des masses en fait. Hein. C'est vraiment une idée à la con que j'ai faite et j'en ai chié de ouf. Je sais plus, 4h15, un truc comme ça pour le finir. Ça change de ma condition physique d'avant le confinement. Faut vraiment que je me bouge le cul. Mais voilà, très 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 heureux d'avoir partagé ça avec Elisa et Sophie. Franchement, ça fait plaisir et le temps était au rendez-vous. On est passé de la neige il y a 3 jours à... Bah, c'est l'été en fait. Donc c'est vraiment cool. Non, vraiment, on a passé un bon moment. Elles m'ont bien soutenu parce que j'en ai vraiment chié pour changer. Et voilà. Donc je vous fais des bisous
Je vous dis, ah oui, likez la cloche, le machin, si vous voulez d'autres idées à la con comme ça. Il y a moyen que je refasse d'autres. Dites-moi si vous avez vu la différence avec la GoPro 9, si ça shake un peu moins, si la qualité est un peu mieux. Ben voilà, faites-moi un petit retour, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain défi à la con. Allez, ciao ciao.